essence, il était réservé aux forces de l'ordre et de secours, pour le ravitaillement en essence. Donc on avait pour mission de la préserver des pillages et autres. Depuis ce matin, elle a réouvert à l'ensemble de la population avec un quota de mérite par personne. Donc la mission pour nous maintenant est que la distribution se passe dans le calme et tout en sécurité. Et comme on peut le voir, c'est un peu la cohue. Mais bon, pour l'instant, ça tombe bien, donc on espère que ce soit ça. Vous n'avez pas eu d'incident particulier jusqu'à présent? Comment la population vit la situation? Alors, ils sont un peu exaspérés. Ils avaient l'impression qu'ils avaient été lâchés par le gouvernement. Mais depuis hier, ils ont vu pas mal de noyades d'avions et ils sentent que ça commence à bouger. Et on sent qu'au niveau de la population, il y a un ressenti positif sur le fait qu'on est là pour eux et que ça commence à venir à bouger pour eux. Ok. On peut prendre votre grade, nom, prénom, affectation? Affectation? 25-5, du gros ingénieur. C'est pas facile, les gens sont stressés, il y a beaucoup de monde et on essaye de filtrer pour pas bloquer la circulation parce qu'on peut pas se le permettre. Ouais. Mais on va y arriver. Là ils prennent combien d'essence? Là ils prennent 20 litres maximum. D'accord, pour aujourd'hui. Non. Ah non, parce que sinon ça serait trop long. C'est après... 20 litres par jour? Ah bah c'est 20 litres par véhicule maintenant, ils vont peut-être revenir cet après-midi, on peut pas contrôler tout le monde, c'est clair. Merci. Votre nom et votre prénom? Xavier Passera. Vous êtes? Je suis le conseiller technique de la société. D'accord. Passera, ça fait qui? PA2SPERA. Bonjour, 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 bon